Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes au deuxième jour de la proclamation des résultats de la présidentielle 2020. Avec moi sur le plateau de RTI1, ici au siège de la commission électorale indépendante, Émile Brottier. Je rappelle qu'il est le porte-parole de la CEI. Hier, Émile Brottier a proclamé les résultats de 26 départements sur les 108 que compte la Côte d'Ivoire. Monsieur Millebrotier, vous reprenez du service en début d'après-midi pour des résultats de 8 départements, 6 de la diaspora et 7 de la commune du district d'Abidjan, soit 21 résultats. Mais avant, vous avez quelques précisions à faire. Je voudrais donner lecture de l'article 1er de l'arrêté numéro 026/CEI/PDT. Du 11 septembre 2020, portant vote du personnel d'astreinte en vue de l'élection du président de la République en 2020. Article 1er. Pour l'élection du président de la République en 2020, le personnel d'astreinte est composé comme suit. Les commissaires centraux de la commission électorale indépendante en mission. Les agents de bureau de vote, les agents de la police électorale en mission munis de leur brassard. Le personnel d'astreinte peut voter dans l'un des bureaux de vote de sa localité d'affectation sur présentation de son ordre de mission signé par son supérieur hiérarchique et de sa carte d'électeur. Et c'est signé Koulibaly Cubière Ibrahim. Alors, je voudrais, à l'attention des téléspectateurs, dire que pour cette élection, le personnel dont je viens de citer, ce personnel-là est autorisé à voter en dehors de son lieu de vote. Moi-même qui suis inscrit à l'EPP d'Andé, sous-préfecture dans le Moronou, dans la région du Moronou, j'ai effectué mon vote au collège moderne de Dimokro. Parce qu'en tant que superviseur, j'étais basé à Dimokro et j'ai effectué mon vote à Dimokro. Donc vous comprenez que dans le bureau de vote où j'ai déposé mon bulletin dans l'urne, s'il y a 30 personnes inscrites, avec moi, ça fait 31 personnes. Donc forcément, quand on va donner le nombre de votants sera supérieur au nombre de personnes inscrites. C'est pour cela que nous avons décidé, contrairement à hier, de donner le nombre, le personnel d'astreinte de chaque département lors de la proclamation des résultats. Alors nous y sommes, on commence par la diaspora avec l'Allemagne. Allemagne, inscrit 395, personnel d'astreinte, 3, votants, 203, taux de participation, 50,63%, bulletin nul, 9, soit 4,43%. Bulletin blanc, 5, soit 2,58%. Suffrage exprimé, 194. Ont obtenu Alassane Ouattara, 186, soit 95,88%. Afingessan Pascal, 0, soit 0,00%. Bédier Conan Aimé Henri, 3, soit 1,55%. Kwadio Conan Bertin, 0, soit 0,00%. Belgique, inscrit
1809. Personnel d'astreinte, 0. Votants, 795. Taux de participation, 43,95%. Bulletin nul, 21, soit 2,64%. Bulletin blanc, 11, soit 1,42%. Suffrage exprimé, 774. Ont obtenu Alassane Ouattara, 740, soit 95,61%. Afingessan Pascal, 4, soit 0,52%. Bédier Conan Aimé Henri, 10, soit 1,29%. Kwadio Conan Bertin, 9, soit 1,16%. Ghana, inscrit 3518. Personnel d'astreinte, 0. Votants, 915. Taux de participation, 26,01%. Bulletin nul, 35, soit 3,83%. Bulletin blanc, 11, soit 1,25%. Suffrage exprimé, 880. Ont obtenu Alassane Ouattara, 753, soit 85,57%. Afingessan Pascal, 33, soit 3,75%. Bédier Conan Aimé Henri, 58, soit 6,59%. Kwadio Conan Bertin, 25, soit 2,84%. Burkina Faso, inscrit 3051. Personnel d'astreinte, 0. Votants, 764. Taux de participation, 25,04%. Bulletin nul, 85, soit 11,13%. Bulletin blanc, 24, soit 3,53%. Suffrage exprimé, 679. Ont obtenu Alassane Ouattara, 564, soit 83,06%. Afingessan Pascal, 29, soit 4,27%. Bédier Conan Aimé Henri, 34, soit 5,01%. Kwadio Conan Bertin, 28, soit 4,12%. Italie, inscrit 8869. Personnel d'astreinte, 104. Votants, 2977. Taux de participation, 32,39%. Bulletin nul, 78, soit 2,62%. Bulletin blanc, 21, soit 0,72%. Suffrage exprimé, 2899. Ont obtenu Alassane Ouattara, 2835, soit 97,79%. Afingessan Pascal, 15, soit 0,52%. Bédier Conan Aimé Henri, 14, soit 0,48%. Kwadio Conan Bertin, 14, soit 0,48%.
Gabon, inscrit 5280. Personnel d'astreinte, 2. Votants, 3251. Taux de participation, 61,53%. Bulletin nul, 79, soit 2,43%. Bulletin blanc, 31, soit 0,98%. Suffrage exprimé, 3172. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3085, soit 97,26%. Afin Guessant Pascal, 12, soit 0,38%. Bédié Conan Aimé Henri, 16, soit 0,50%. Kwadio Conan Bertin, 28, soit 0,88%. Non, nous venons en Côte d'Ivoire. Alors, oui, nous venons en Côte d'Ivoire pour les départements. Voilà. On commence par Guitry. Voilà. Département de Guitry. Inscrit 36199. Personnel d'astreinte 156. Votants 17677. Taux de participation 48,40%. Bulletin nul 431, soit 2,44%. Bulletin blanc 375, soit 2,17%. Suffrage exprimé, 17246. Ont obtenu Alassane Ouattara, 15988 voix, soit 92,71%. Afin Guessant Pascal, 160 voix, soit 0,93%. Bédié Conan Aimé Henri, 385 voix, soit 2,23%. Kwadio Conan Bertin, 338 voix, soit 1,96%. Séguéla, inscrit 57677. Personnel d'astreinte, 189. Votant, 56183. Taux de participation 97,08%. Bulletin nul 260, soit 0,46%. Bulletin blanc 168, soit 0,30%. Suffrage exprimé 55923. Ont obtenu Alassane Ouattara 55488, soit 99,22%. Afin Guessant Pascal, 54, soit 0,10%. Bédié Conan Aimé Henri, 124, soit 0,22%. Kwadio Conan Bertin, 92, soit 0,16%. Sipilou, 12682 inscrits. Personnel d'astreinte, 0. Votants, 9346. Taux de participation, 73,70%. Bulletin blanc, 207. Pardon, bulletin nul, 207. Bulletin blanc, 110. Suffrage exprimé, 9139. Ont obtenu Alassane Ouattara, 8801, soit 96,30%. Afin Guessant Pascal, 30, soit 0,33%. Bédié Conan Aimé Henri, 49, soit 0,54%. Kwadio Conan Bertin, 149, soit 1,63%.
Agnimi Lekro, inscrit 23146. Personnel d'astreinte, 57. Votant, 9520. Taux de participation, 40,88%. Bulletin nul, 392, soit 4,12%. Bulletin blanc, 207, soit 2,27%. Suffrage exprimé, 9128. Ont obtenu Alassane Ouattara, 8218, soit 90,03%. Afin Guessant Pascal, 172, soit 1,88%. Bédier Conan Aimé Henri, 366, soit 4,01%. Kwadio Conan Bertin, 165, soit 1,81%. Abengourou, inscrit 36894. Personnel d'astreinte, 101. Votant, 12187. Taux de participation, 31,07%. Bulletin nul, 378, soit 3,10%. Bulletin blanc, 216, soit 1,83%. Suffrage exprimé, 11809. Ont obtenu Alassane Ouattara, 11073. Soit 93,77%. Afin Guessant Pascal, 97, soit 0,82%. Aimé Bédier Conan Aimé Henri, 263, soit 2,23%. Kwadio Conan Bertin, 160, soit 1,35%. Boundiali, 42406 inscrits. Personnel d'astreinte, 119. Votants, 38798. Taux de participation, 91,21%. Bulletin nul, 204, soit 0,53%. Bulletin blanc, 156. Soit 0,40%. Suffrage exprimé, 35594. Ont obtenu Alassane Ouattara, 37707, soit 97,70%. Afin Guessant Pascal, 71, soit 0,18%. Bédier Conan Aimé Henri, 155, soit 0,40%. Kwadio Conan Bertin, 505, soit 1,33%. 1,31%. Je dis bien 1,31%. Diko Dougou, inscrit 24247. Personnel d'astreinte, 111. Votant, 23249. Taux de participation, 95,43%. Bulletin nul, 164, soit 0,71%. Bulletin blanc, 140, soit 0,61%. Suffrage exprimé, 23085. Ont obtenu Alassane Ouattara, 22715, soit 98,40%. Afin Guessant Pascal, 53, soit 0,23%. Bédier Conan Aimé Henri,
78, soit 0,35%. Kwadio Konan Bertin, 99, soit 0,43%. Ara, inscrit, 24 064. Personnel d'astreinte, 27. Votants, 4 532. Taux de participation, 18,72%. Bulletin nul, 336, soit 7,41%. Bulletin blanc, 48, soit 1,14%. Suffrage exprimé, 4196. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3343, soit 79,67%. Afinguessan Pascal, 339, soit 8,08%. Bédier Conan Aimé Henri, 324, soit 7,72%. Kwadio Konan Bertin, 142, soit 3,38%. Bengerville, inscrit, 47 928. Personnel d'astreinte, 83. Votants, 10 265. Taux de participation, 21,24%. Bulletin nul, 438, soit 4,27%. Bulletin blanc, 219, soit 2,23%. Suffrage exprimé, 9827. Ont obtenu Alassane Ouattara, 8917, soit 90,74%. Afinguessan Pascal, 179, soit 1,77%. Bédier Conan Aimé Henri, 295, soit 3,00%. Kwadio Konan Bertin, 222, soit 2,26%. Koumassi, inscrit, 162 352. Personnel d'astreinte, 716. Votants, 56 853. Taux de participation, 34,58%. Bulletin nul, 1233, soit 2,17%. Bulletin blanc, 651, soit 1,17%. Suffrage exprimé, 55 620. Ont obtenu Alassane Ouattara, 52 343, soit 94,11%. Afinguessan Pascal, 441, soit 0,79%. Bédier Conan Aimé Henri, 1005, soit 1,81%. Kwadio Konan Bertin, 1180, soit 2,12%. Ayama, inscrit, 62 812. Personnel d'astreinte, 241. Votants, 48 510. Taux de participation, 76,85%. Bulletin nul, 693, soit 1,43%. Bulletin blanc, 287, soit 0,60%. Suffrage exprimé, 47 817. Ont obtenu Alassane Ouattara,
46 606, soit 97,47%. Afingé Saint-Pascal, 205, soit 0,43%. Bédier Conan Aimé Henri, 308, soit 0,64%. Kwadio Conan Bertin, 411, soit 0,86%. Adjamé, inscrit, 117 482. Personnel d'astreinte, 382. Votants, 59 679. Taux de participation, 50,47%. Taux de participation, 50,47%. Bulletin nul, 1252, soit 2,10%. Bulletin blanc, 534, soit 0,91%. Suffrage exprimé, 58 427. Ont obtenu Alassane Ouattara, 56 493, soit 96,69%. Afingé Saint-Pascal, 246, soit 0,42%. Bédier Conan Aimé Henri, 513, soit 0,88%. Kwadio Conan Bertin, 641, soit 1,10%. Trècheville, inscrit, 59 886. Personnel d'astreinte, 273. Votants, 23 454. Taux de participation, 38,71%. Bulletin nul, 540, soit 2,30%. Bulletin blanc, 213, soit 0,93%. Suffrage exprimé, 22 914. Ont obtenu Alassane Ouattara, 21 700, soit 94,70%. Afingé Saint-Pascal, 108, soit 0,47%. Bédier Conan Aimé Henri, 355, soit 1,55%. Kwadio Conan Bertin, 538, soit 2,35%. Cocody, 252 579 inscrits. Personnel d'astreinte, 674. Votants, 61 245. Taux de participation, 23,98%. Bulletin nul, 1291, soit 2,11%. Bulletin blanc, 610, soit 1,02%. Suffrage exprimé, 59 954. Ont obtenu Alassane Ouattara, 54 507. Soit 90,91%. Afingé Saint-Pascal, 583, soit 0,97%. Bédier Conan Aimé Henri, 1594, soit 2,66%. Kwadio Conan Bertin, 2660, soit 4,44%. Abobo, inscrit, 397 677. Personnel d'astreinte, 1515. Votants, 22 828. Taux de participation, 56,66%. Bulletin nul,
4707, soit 2,08%. Bulletin blanc, 2477, soit 1,12%. Suffrage exprimé, 222 121, soit ont obtenu, pardon, Alassane Ouattara, 210 913 voix, soit 94,95%. Afingé Saint-Pascal, 1442 voix, soit 0,65%. Bédié Conan Aimé Henri, 2890 voix, soit 1,30%. Kwadio Conan Bertin, 4399 voix, soit 1,98%. Voilà, nous sommes à la fin de la première étape. On se retrouve dans quelques instants. Pas d'heure précise pour l'instant. Non, dans quelques instants. OK, d'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dans quelques instants pour poursuivre la proclamation des résultats de la présidentielle 2020. Bonne suite de programme sur RTI 1.